Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main? Je vais terminer la chose dans deux mains. Nous sommes ici seuls, et l'on peut se le sembler sans crainte d'être oui, et discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur. Et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Et ouais, notre ami, peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous. Et votre front, je crois, veut que du mariage, les cordes soient partout l'infaillible apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est point garant. Et bien sûr, ce me semble est le soin qu'on y prend. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont son pauvre mari ont souffert la furie. Car enfin, vous savez qu'il n'est grand ni petit que de votre critique, on est vu garanti, car vos plus grands plaisirs sont partout où vous êtes de faire sans éclat des intrigues secrètes. Bon, bien. Est-il au monde une autre ville aussi où l'on est des maris si patients qu'ici? Enfin, ce sont partout des sujets de satire, et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas de nos sons? Oui. Mais qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche on rit aussi de lui. J'entends parler le monde. Et des gens se délassent à venir d'habiter les choses qui se passent. Mais quoi que l'on divulgue aux endroits où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. Ainsi, quant à mon front, par un sort qui tout mène, il serait arrivé quelques disgrâces humaines. Après mon procédé, je suis presque certain qu'on se contentera de s'en rire sous main. Et peut-être qu'encore j'aurai cet avantage que quelques bonnes gens diront que c'est dommage. Mais de vous, cher compère, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement. Comme sur les maris accusés de souffrance, de tout temps votre langue a tombé d'importance. On vous avoue contre eux un diable déchaîné. Vous devez marcher droit pour n'être point perdu. Et s'il faut que sur vous on ait la moindre prise, gare qu'au carrefour, on ne vous tympanise. Bon, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé, qui pourra m'attraper sur ce point? Je sais les tours rusées, les subtiles trames dont, pour nous implanter, savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés. Et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous qu'une sotte, en un mot? Épouser une sotte et pour n'être point sot. Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage, mais une femme habile est un mauvais présage. Non, non, je ne veux pas de l'esprit qui soit haut. Les femmes qui composent, c'est plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime, ne sache même pas ce que c'est qu'une rime. Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon et qu'on vienne lui dire à son tour qu'il est tort, je veux qu'elle réponde une tarte à la crème. En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est donc votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide, aussi un peu manquée d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le fait. À ce bel argument, à ce discours profond, ce que Pantagruel à Panurge, je réponds, pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte, prêchée, patrocinée jusqu'à la Pentecôte. Vous serez ébahis quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne dis plus mot. Chacun a sa méthode, en femme comme à tout, je veux suivre ma mode. Je me vois riche assez pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne de moi et de qui la soumise est pleine de dépendance, n'est à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et posé parmi d'autres enfants m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté procès, de la lui demander, il me vint en pensée, et la bonne paysanne, apprenant mon désir à sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir.
dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon mon politique, c'est-à-dire ordonnant qu'elle soit en emploirée pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente. Et grande, je l'ai vue à tel point innocente que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée et comme ma demeure à cent sortes de monde est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir, dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et pour le point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz pourquoi cette narration, si pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'un ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si de bon choix, on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez dans cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit... La vérité passe encore en récit dans ses simplicités, à tout coup je l'admire et parfois... Elle en dit, dont je pâme de rire. L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et me demandait avec une innocence à nul autre pareille, si les enfants qu'on fait se faisait par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnold. Comment voulez-vous toujours appeler de ce nom? Malgré que j'en ai une vignette à la bouche, et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser à 52 ans de vous débaptiser, hein? Et d'un vieux tronc pourri de votre métairie, vous faire dans le monde un nom de seigneurie? Outre que la maison, par ce nom, se connaît, la Souche. Plus qu'Arnolf à mes oreilles plaît. Qu'elle a vu, de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. De la plupart des gens, c'est la démangeaison. Et sans vous embrasser dans la comparaison, je sais un paysan qu'on appelait Gros Pierre, qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, il fit tout alentour faire un fossé bourbeux et de Monsieur de Lille en prit le nom pompeux. Vous pourriez vous passer d'exemple de la sorte, enfin, de la Souche et le nom que je porte. J'y vois de la raison, j'y trouve des appâts, et m'appeler de l'autre, et ne m'obligez pas. Cependant, la plupart peine à s'y soumettre, je vois même encore des adresses de lettres. Je le souffre aisément de qui n'est pas instruit, mais vous... Soit. Là-dessus, nous n'aurons point de bruit, et je prendrai soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Adieu. Je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. Quoi? Je le tiens fou de toutes les manières. Il est un peu frappé sur cette matière. Chose étrange de voir comme avec passion un chacun est chaussé de son opinion. Hola! Qui est? Ouvrez! On aura que je pense garde joie à me voir après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi! Georgette! Eh bien! Ouvre là-bas! Vas-y, toi! Vas-y, toi! Ma foi, je n'irai pas! Je n'irai pas aussi! Belle cérémonie pour me laisser dehors! Voilà, voilà, je vous prie! Vivre! Votre maître! Alain! Quoi? Ouvre-vous! Ouvre-toi! Je souffle notre feu! J'empêche peur du chat que mon mari me sort! Et vous deux n'ouvrira pas la porte! N'aura pas à manger de 4 jours! Il faut que j'aie belle patience. Ah, monsieur, c'est moi. Ah, c'est moi. Ah, ça ne reste pas dans ce cas-là. Tempeste. Pardon. Voyez ce lourd de là. Que l'on se taise. Songez à répondre. Il est sur la fadaise. Eh bien, allez. Comment se porte-t-on ici? Monsieur, nous... Monsieur, nous portons... Dieu merci, nous portons... Qui vous apprend, impertinente bête, à parler devant moi?
Le chapeau sur la tête! Vous faites bien, j'ai tort. Faites descendre Agnès! Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Triste? Non. Non? Si fait! Pourquoi? Oui, je meurs. Elle vous croyait voir de retour à toute heure. Et nous n'ayons jamais passé devant chez nous, cheval, âne ou mulet, qu'elle ne prit pour vous. Ah! L'ouvrage à la main, c'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage, en êtes-vous bien aise? Oui, monsieur. Et moi, de vous revoir, je suis bien aise. Aussi, vous êtes, comme on voit, toujours bien porté. Or, les puces qui m'ont la nuit inquiétée. Vous aurez dans peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Je ne puis bien penser. Que faites-vous là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites. Ah! Ah, voilà qui est bien. Allez, montez là-haut. Ne vous ennuyez point. Je reviendrai tantôt. Et je vous parlerai d'affaires importantes. Héroïne du temps, mesdames les savantes, pousseuse de tendresse et de beaux sentiments, je défie à la fois tous vos vers, vos romans, vos lettres, billets d'eau, toute votre science de valoir cette honnête et pudique ignorance. C'est pas par le bien qu'il faut être ébloui, pourvu que l'honneur soit que vois-je, est-ce que je me trompe, si fait, Seigneur! Adolphe! La joie extrême depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fuis d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne! Oui, depuis 2 journées. J'admire de voir au point où le voilà. Après, il est vu ma plus belle que ça. Vous voyez? Ah, mais de grâce au rang de votre père, mon bon et cher ami, que j'estime et révère, que dit-il, que fait-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus a écrit l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue et sa raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non. Vous êtes au point de vie comme ce nom? Elric. Non. Mon père m'en parle et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu. Et m'écrit qu'en chemin, ensemble, ils se vont mettre pour un fait important que ne dit point sa lettre. J'aurai certainement grande joie à le voir et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Oh, il faut pour des amis des lettres moins civiles et tous ces compliments sont choses inutiles. Et sans qu'il prie le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leur parole et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ah, bah ouais, vous m'obligez de le dire ainsi. Et je me réjouis de les avoir ici. Gardez la bourse. Il faut. Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreux en citoyens, superbes en bâtiments et, j'en crois, merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs, qui se fait à sa guise, mais pour ceux que du nom de galants baptisent, ils ont dans ce pays de quoi se contenter. Car les femmes, ils sont faites à coqueter. On y trouve une humeur douce, et la brune, et la blonde, et les maris aussi, les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince et des tours que je vois. Je me donne souvent la comédie à moi, mais peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une. Vous est-il peut encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus. Et
vous êtes de taille à faire du cocu. Ah, ne vous rien cacher de la vérité pure. J'ai d'amour en ces lieux une certaine aventure. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici de nouveau quelques contes gaillards. Et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce, qu'au moins ces choses soient secrètes. Quoi? Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret est vanté rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'est éprise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès. Et, sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est un jeune objet qui loge en ce logis, dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis, simple à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde et qui, dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvu. C'est Agnès qu'on l'appelle. Oh, je crève. Pour l'homme, c'est de la zousse, ou source qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés. Non, et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous point? La fâcheuse pilule. Et vous ne dites mot. Oui, le noir. C'est un fou, n'est-ce pas? Quoi, qu'en dites-vous? Sot? Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou pour ne vous point mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux sont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent qu'êtes-vous emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez comme moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts. Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessein que je fais? C'est que je songeais. Cet entretien vous lasse. Adieu, j'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Faut-il? De recette. Veuillez être discret et n'allez pas de grâce éventer mon secret. Je sens dans mon âme. Et surtout à mon père qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Non. J'ai souffert durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien. Avec quelle prudence et quelle hâte extrême il m'est venu conter cette affaire à moi-même. Bien que mon honneur le tienne dans l'erreur, étourdi monta-t-il jamais tant de fureur. Mais ayant tant souffert, je devais me contraindre jusque à m'éclaircir de ce que je dois craindre, à pousser jusqu'au bout son caquet indiscret et savoir pleinement leur secret. Tâchons à le rejoindre. Il n'est pas loin que je pense. Tirons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en peut arriver et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver. J'en veux rompre le cours et sans tarder à prendre.
jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la regarde en femme, au terme qu'elle en est. Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte. Et tout ce qu'elle a fait, enfin, est sur mon compte. Éloignement fatal. Voyage malheureux. Ah, monsieur, cette fois... Paix, venez ça tous deux. Passez-la, passez-la. Elle est là, vous dis-je. Je fais de peur et tout mon sang se fiche. C'est donc ainsi qu'absent, vous m'avez obéi. Et tous deux de concert. Vous m'avez trahi. Ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure. Quelque chose enragé l'a mordu, je m'assure. Voilà, je ne puis parler. Tant, je suis prévenu. Oh, oh, je suffoque. Il me voudrait m'être nu. Vous avez donc souffert. Oh, canaille maudite, que l'homme soit venu. Tu veux prendre la fuite, il faut que sur le champ. Si tu bouges, je veux que vous me disiez. Je veux, oui, je veux que tous deux, quiconque produira par la mort, je la somme. Comme est-ce que, chez moi, s'est introduit cet homme? Allez, parlez. Non. Dépêchez, vite, sans tarder, veut-on dire. Le cœur me fond. Je meurs. Oh, je suis un loup. La reine, il faut que je me gratte et que je me promène. Aurais-je deviné quand je l'ai vu petit qui croîtrait pour cela? Ciel que mon cœur pâtit. Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche. Je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons à modérer notre ressentiment. Patience, mon cœur. Doucement. Doucement. Levez-vous ! Et rentrant, faites qu'elle vienne descendre. Attendez ! Sa surprise en deviendrait moins grande. Du chagrin qui me trouble, il sait l'avertir. Et moi-même, je veux la faire sortir. Que l'on m'attende d'ici. Mon Dieu, qu'il est terrible! Ses regards m'ont fait peur, mais une peur horrible! Et jamais jeune fille n'a plus hideux chrétien! Ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien! Mais que diantre est-ce là? Qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse? D'où vient qu'à tout le monde y veut-on la cacher? Et qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cette action le met en jalousie! Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui. Mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie, entends-tu bien, Georgette, est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens d'autour d'une maison. Je m'en vais de bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, quand tu tiens ton potage, et si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger. Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les bio monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue qui n'en veut que pour soi. Si j'ai la barrière, le voilà qui revient. Tes yeux sont bons, c'est lui. Vois comme il est chagrin. C'est qu'il a de l'ennui. Oh. Un certain grec disait à l'empereur Auguste, comme une instruction utile autant que juste, que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons avant tout dire notre alphabet. Afin que dans ce temps, la bile se tempère et qu'on ne fasse rien que l'on ne doive faire. J'ai suivi sa leçon sur le sujet d'Aliès et je la fais venir dans ce lieu tout exprès sous prétexte d'y faire un tour de promenade, afin que les soupçons de mon esprit malade puissent sur le discours la mettre adroitement et, lui sondant le cœur, s'éclaircir doucement. Venez, Agnès, rentrez!
La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, c'est une étrange chose. Voyez la médisance, et comme chacun cause, quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous l'aviez souffert, sa vue et ses harangues. Mais je n'ai pris point foi sur ces méchantes langues, j'ai voulu gager que c'était faussement... Ah mon Dieu, ne gagez pas! Vous perdriez vraiment? Quoi, c'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son agilité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui. Mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin... Contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ses tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que si sur ce point, la nuit ne fût venue, toujours comme cela, je me serais tenue. Ne voulant point céder, recevant l'ennui qu'il me puisse estimer moins si que lui. Ça va bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir? Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Ah, suppose, Satan, il s'est... Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vit du balcon. Hélas, qui pourrait dis-je en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et mon Dieu, ma surprise est fiche en seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, fit-elle, vos yeux pour causer le trépas à ma fille ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais dit, j'ai une douleur bien grande. Et pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, peut-être qu'il voudra me venir voir ici. Sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer du charitable. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Mais vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir et ne puis en pleurer voir un poulet mourir. Tout ça n'est parti que d'une âme innocente et j'en dois accuser mon absence imprudente qui s'enguide à laisser cette bonté demeure exposée aux aguets des rusés séducteurs.
Je crains que le pendard dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je n'ai poussé les affaires. Qu'avez-vous ? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit ? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal, si tôt que je le vis. Oh, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette, et l'argent qu'ont eu notre Alain et Georgette. Vous l'aimeriez sans doute, et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde. Il me disait des mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler. Et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Au fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant! Il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là! Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf! Et il m'a... Quoi? Pris... Hein? Le... Qu'est-il? Je n'ose, il fâcherait peut-être contre moi. Non! Si fait! Non! J'aurai donc votre femme! Ma foi soit! Il m'a pris... Vous serez en colère. Non! Si! Non, diantre! Que de mystère! Ce qui vous a pris! Il... Je souffre en famille! Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Pour vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Et je voulais l'apprendre si vous n'avez rien fait que... Vous baissez les bras. Comment est-ce qu'on fait d'autre chose? Et pour le guérir du mal qu'il possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si je retombe plus, je veux bien que ma faute. De votre innocence, Agnès, c'est un effet, je ne vous dis mot, ce qui s'est fait, est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser, puis après sans rire. Pourquoi il me l'a dit plus de 20 fois? Ah, vous savez pas ce que c'est que sa foi. N'apprenez qu'à accepter les cassettes, et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par eux, à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel. Les plus gros qui se fassent. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison, elle l'arrêt prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrousse? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire que le joint goûte à tout cela. Et je ne savais pas encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais... Il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Ah ben, mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi, et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Oui. Que vous me ferez aise? Je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez? Nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose simple apparaît si propre. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Mais dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir. Ça vous fait rire? Oui. Vous voir bien contente, c'est ce que je veux dire. Hélas, que je vous ai grande obligation.
et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec... là. Là? Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre en un mot que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur-là, je pressens, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Et venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez la porte au nez, honnêtement, et lui jetant, s'il heurte, un gré par la fenêtre, l'obligez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Mais là, s'il est si bien... Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi voulez-vous? C'est assez. Je suis maître, je parle. Allez, obéissez. Avez la suivi, mes ordres à merveille, confondu de tout point le blondin séducteur, et voilà de quoi sert un sage directeur. Votre innocence, Agnès, avait été surprise. Voyez, sans y penser, vous étiez mise. Vous en affiliez tout droit, sans mon instruction, le grand chemin d'enfer et de perdition. L'air dont je vous ai vu jeter cette pierre, qui de tous ses desseins a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne point différer les noces où je dis qu'il vous faut préparer. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous soient salutaires. Un siège offrait ici. Vous, si jamais, en rien... De toutes vos leçons, nous nous souviendrons bien. Cet autre monsieur-là nous en faisait à croire, mais... S'il entre jamais, je veux jamais de boire. Aussi bien, c'est un sot. Il nous a donné l'autre fois 2 écus d'or qui n'étaient pas de poids. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Regardez-moi là. Hein? Durant cet entretien et jusqu'au moindre mot, imprimez-le-vous bien. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée, contempler la bassesse que vous avez été, et dans le même temps, admirer ma bonté qui, de ce vil état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise. Et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont, afin, parti, fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mise, à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps.
Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard, il lui fait grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines et de vous laisser prendre aux assauts du malin. C'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons. Et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable. Et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont vous veuille garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice par cœur dans le couvent doit savoir son office, entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme, et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage, ou les devoirs de la femme mariée, avec son exercice journalier. Première maxime, celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui, doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend, ne la prend que pour lui. Je vous expliquerai ce que ça veut dire, pour leur présente, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime, elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède, c'est lui que touche seul le soin de sa beauté. Rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime. Sous sa coiffe, en sortant comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Quatrième maxime. Il faut des présents des hommes qu'elles se défendent bien, car dans le monde où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Cinquième maxime.
Les promenades du temps au repas qu'on donne aux gens, il ne faut point qu'elle essaie selon les prudents cerveaux. Le mari, dans ses cadeaux, est toujours celui qui paie. Sixième maxime. Ouais, vous achèverez seul et pas à pas tantôt. Je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire. Je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Et rentrez et conservez ce livre chèrement. Si le notaire vient, que l'on m'attende un moment. Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerai cette âme comme un morceau de cire entre mes mains ailées et je lui puis donner la forme qui me plaît. Ouh, que les femmes sont du diable bien tentées lorsqu'elles vont choisir ces têtes éventées et que... Mais le voici cachant toujours bien et découvrant un peu quel chagrin est le sien. Je reviens de chez vous. Et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre. Mais j'irai tant de fois qu'enfin... Mon Dieu, n'entrons point dans ce vain compliment. Eh bien, parlez sans façon, humain. Vos amourettes, puis le seigneur Horace, savoir où j'en êtes. J'étais tantôt distrait par quelques visions, mais depuis, là-dessus, j'ai fait réflexion de vos premiers progrès. J'admire à vitesse, et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est à mon amour arrivé du malheur. Comment ça? La fortune cruelle a ramené des champs le patron de la belle. Quel malheur! Et de plus, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. Mais d'où vient a-t-il si tôt pris cette aventure? Je le sais, mais enfin, c'est une chose sûre. Je pensais aller rendre à mon heure à peu près ma petite visite à ces jeunes attraits. Lorsque, changeant pour moi de ton et de visage, et servante et valet m'ont bouché le passage. Et d'un « retirez-vous, vous nous importunez », m'ont assez rudement fermé la porte au nez. La porte au nez ? Au nez. La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte. Mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « vous n'entrerez pas, monsieur l'a défendu ». Ils n'ont pas ouvert ? Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître en me chassant de là d'un ton plein de fierté, accompagné d'un grès que sa main a jeté. Comment d'un grès? D'un grès de taille non petite dont on a par ses mains régalé ma visite. Diable, ce ne sont pas des prunes que cela. Et je trouve fâcheux l'état où vous voilà. Il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Ça n'est rien. J'en suis fâché pour vous, je vous proteste. Cet homme me rompt tout. Ben, ça n'est rien de vous raccrocher. Vous trouverez moyen. Il faut bien par quelque intelligence rompre du jaloux l'exacte vigilance. Ah, ça est facile. La fille, après tout, vous aime. Assurément. Vous en viendrez à bout. Je l'espère. Le gré vous a mis en déroute, mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. J'ai compris d'abord que mon homme était là, qui, sans se faire voir, conduisait tout cela. Mais ce qui m'a surpris, et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté, et qu'on n'attendrait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Et soudain, de nos mœurs, l'absolu changement devient par ses leçons l'ouvrage d'un moment. De la nature en nous, il force les obstacles. Et ses effets soudains ont de l'air des miracles. D'un avare à l'instant, il fait un libéral. Un vaillant d'un poltron, un civil d'un brutal. Il rend agile à tout l'âme la plus pesante et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès, car tranchant avec moi par ce terme exprès, retirez-vous mon âme aux visites renonce, je sais tous vos discours, et voilà ma réponse. Cette pierre, ou ce grès, dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre est tombé à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée, avec le sens des mots et la pierre jetée. D'une telle action, n'êtes-vous pas surpris ?
L'amour, c'est-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Et peut-on me nier que ces flammes puissantes ne fassent dans les cœurs des choses étonnantes? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Dites! Oui, fort plaisant! Riez-en donc un peu! Cet homme d'abord, gendarmé contre mon feu, qui chez lui se retranche et de greffe et parade, comme si j'y voulais entrer par escalade, qui pour me repousser dans son bizarre effroi, anime du dedans tous ses gens contre moi, et qu'abuse à ses yeux par sa machine même, celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, encore que son retour en un grand embarras jette ici mon amour, je tiens cela plaisant autant qu'on saurait dire, et ne puis songer sans de bon cœur en rire. Et vous n'en riez pas assez, à mon avis. Allez. Pardonnez-moi, j'en ris tout autant que je puis. Hein. Mais il faut qu'en ami, je vous montre sa lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre. Mais en termes touchants, et tout plein de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité, de la manière enfin dont la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Oh, voilà Friponne à quoi l'écriture te sert, et contre mon dessein l'art en fut découvert. Je veux vous écrire. Et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous suciez, mais je ne sais comment faire pour vous les dire. Et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenue dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous. Que j'aurais toutes les peines du monde à me passer de vous. Et que je serais bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela. Mais enfin, je ne puis m'empêcher de le dire. Et je voudrais que cela se pût faire sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut pas écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous. Et je suis si touchée de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qui en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez. Et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Qu'avez-vous? Je tousse. N'avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus beau naturel peut-il se faire voir? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de gâter méchamment ce fond d'âme admirable, d'avoir dans l'ignorance et la stupidité voulu de cet esprit étouffer la clarté? L'amour a commencé d'en déchirer le voile, et si je puis, comme j'espère, à ce franc animal, ce traître, ce bourreau, ce fatin, ce brutal. Adieu. Comment si vite? Il m'est dans la pensée venue tout maintenant, une affaire pressée. Mais ne seriez-vous point comme on la tient de près? Qui dans cette maison pourrait avoir accès? J'en use sans scrupule, et ce n'est pas merveille qu'on se puisse entre amis servir à l'appareil. Je n'ai plus là-dedans que gens pour m'observer, et servantes et valets que je viens de trouver n'ont jamais de quelqu'un dont je m'y sois pu prendre adouci leur rudesse à me vouloir entendre. J'avais pour de tels coups certaines vieilles en main d'un génie, à vrai dire, au-dessus de l'humain. Elle m'a dans l'abord servi de bonne sorte. Mais depuis 4 jours, la pauvre femme est morte. Ne me pourriez-vous point ouvrir quelques moyens? Non, vraiment, sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc, vous voyez ce que je vous confie. Comme il faut devant lui que je me mortifie. Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant,
Pourquoi pour une innocente un esprit si présent? Elle a faim d'être telle à mes yeux, la prêtresse, où le diable à son âme a soufflé cette adresse. Enfin, me voilà mort par ce funeste écrit. Je vois qu'il a le traître empaumé son esprit, qu'à ma suppression il s'est ancré chez elle. Et c'est mon désespoir. Il m'appelle mortel. Je souffre doublement dans le haut de son cœur. Et l'amour y pâtit. Aussi bien que l'honneur. Georges! De trouver cette place usurpée, Georges! De voir ma prudence trompée! Faut-il de ces appâts être si fort coiffé? Elle n'a ni support, ni parents, ni richesse. Elle trahit mes soins, mes bontés, mes tendresses. Et malgré tout, après ce lâche tour, je l'aime. Je l'aime avec amour. Ah, chaud n'as-tu point de l'autre? Ah, je t'aime. Ah, je souffletterai mille fois mon visage. Ah, je veux rentrer, mais seulement un peu pour voir quelle est sa contenance après un trait si noir. Ciel, faites que mon front soit exempt de disgrâce. Ou bien, s'il est écrit qu'il faut que j'y passe, donnez-moi tout au moins pour de tels accidents la constance qu'on voit à de certaines gens. J'ai senti en moi s'échauffer une ville et ces bouillants transports dans s'enflammer mon cœur, il semblait redoubler mon amour d'ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle, et cependant, jamais je ne l'avais si belle, jamais ses yeux au miel ont paru si perçants, jamais je n'eus pour elle de désir si pressant. Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Quoi, j'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution afin que le jeune fou dont elle s'amourache me la vienne enlever jusque sur la moustache, lorsqu'elle est mariée à moi, à demi. Non, Pablé, non, Pablé, petit sot, mon ami, vous aurez beau tourner, ou j'y perdrai mes peines, ou je rendrai ma foi, vos espérances mêmes. Approchez, mes amis. Ah, vous êtes mes fidèles, mes beaux, mes vrais amis, et j'en sais des nouvelles. Les affaires, il... Allez, c'est pour quelque autre jour. On veut, à mon honneur, jouer d'un mauvais tour. Et quel affront pour vous, mes enfants, pourrait-ce être si l'on avait ôté l'honneur à votre maître? Vous nous auriez à préparer en nul endroit. Et chacun, vous voyant,
vous montrerez du doigt. Donc, puisqu'autant que moi, l'affaire vous regarde, il faut de votre part faire une telle garde que ce galant ne puisse en aucune façon... Vous nous avez tantôt montré notre leçon. Mais à ces beaux discours, gardez bien de vous rendre. Oh, vraiment. Nous savons comme il faut s'en défendre. S'il venait doucement... Alain, mon pauvre cœur, par un peu de secours, soulage ma langueur. Vous êtes un sot. C'est bon. C'est bien. C'est bien. Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes un nigaud. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Quel mal trouves-tu dans un dessin honnête et tout plein de vertus? Vous êtes un fripon. Fort bien, fort bien, fort bien. Ma mort est sûre. Si tu ne prends pitié des bêtes que j'en dis. Vous êtes un bonnet, un impudent. C'est fort bien, fort bien, fort bien. Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert à garder la mémoire, cependant par avance. Ah, Alain, voilà pour boire. Et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon. Ce ne sont de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie, enfin, dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. À d'autres. Ah, c'est bon, ça. Oh, si, c'est bon. Mais tant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Fais-je pas comme il faut? Est-ce de la façon dont vous voulez l'entendre? Fort, fort bien. Hors l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Allez. Voulez-vous qu'à l'instant nous reconnaissions? Non, 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 point, point, point. Suffit, rentrez tous deux. Vous l'avez dit? Non, vous dis-je, rentrez puisque je le désire. Gardez l'argent. Allez, je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout et secondez mes soins. Enfin, j'ai vu le monde et j'en connais les faiblesses. Il sera que mon homme et de grandes adresses si message ou poulet de sa part peut rentrer. Ah ! La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens de l'échapper bien belle, je vous jure, au sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure. Seul sur son balcon, j'ai vu paraître Agnès, qui des arbres prochains prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais à peine, tous deux, dans sa chambre étions-nous, qu'elle a sur les degrés entendu son jaloux. Et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord. Je ne le voyais pas, mais je l'oyais marcher, sans rien dire. À grands pas, poussant de temps en temps des soupirs pitoyables et donnant quelquefois de grands coups sur la table, frappant un petit chien qui pour lui s'émouvait et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait. Il a même cassé d'une main mutinée les vases dont la belle ornait sa cheminée. Et sans doute, il faut bien qu'à ce bec cornu du trait qu'elle a joué quelques tours soit venu. Enfin, après 100 tours, ayant de la manière sur ce qui n'en peut mettre décharger sa colère, mon jaloux, inquiet sans dire son ennui, est sorti de la chambre, et moi, de mon étui. Nous n'avons pas voulu, de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage. C'était trop hasardé. Mais je dois, cette nuit, un peu tard, dans sa chambre, m'introduire sans bruit. En toussant par 3 fois, je me fais reconnaître et je dois, au signal, voir ouvrir la fenêtre, dont avec une échelle et secondée d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre et goûta-t-on 100 fois un bonheur trop parfait, on n'en est pas content si quelqu'un ne le sait. Adieu, je vais songer aux choses nécessaires. Oh, l'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je verrai par leur intelligence de mes soins diligents confondre la prudence et je serai la dupe par ma maturité d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. Tant si son cœur m'est folé par ce blondin funeste,
J'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste. Et cette nuit, il comprend, pour le galant exploit, ne se passera pas si doucement qu'on croit. Je mets quelques plaisirs parmi tant de tristesse que l'on me donne à vie du piège qu'on me dresse. Et que cet étourdi qui veut m'être fatal fasse son confident de son propre rival. Oh, eh bien, souperons-nous avant la promenade. Non, je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? Le vase, excusez-moi, mais j'ai quelque autre embarras. Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? J'ai trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh, si brusquement! Quels chagrins sont les vôtres? Serait-il point qu'on perd à votre passion arriver quelque peu de tribulation? Je le jurerais presque à voir votre visage. Quoi qu'il m'arrive, au moins l'avantage de ne pas ressembler à certaines gens qui souffrent doucement à l'approche des galants. C'est un étrange fait qu'avec tant de lumière, vous vous effarouchiez toujours sur ces matières. Quand cela, vous mettiez le souverain bonheur et ne conceviez point au monde d'autre honneur. Être avare, brutal, fourbe, méchant et lâche n'est rien à votre avis auprès de cette tâche. Et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu, on est homme d'honneur quand on n'est point cocu. Ah, mettez-vous dans l'esprit qu'on peut du cocuage se faire en galant homme une plus douce image. Que des coups du hasard, aucun n'est en garant cet accident. De soi doit être indifférent. Et qu'en fait tout le mal, quoi que le monde l'ose, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Car pour se bien conduire en ces difficultés, il y faut comme en tout fuir les extrémités. Quoi qu'on en puisse dire, enfin le cocuage, sous les traits moins affreux, aisément s'envisager, comme je vous dis, toute l'habileté ne va qu'à le savoir tourner du bon côté. Et après ce beau discours, toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie. Hein. Et quiconque voudra vous entendre parler montrera de la joie à s'y voir enrôler. Je ne dis pas cela, car c'est ce que je blâme. Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de dés. Ou s'il ne vous vient pas ce que vous demandez, il faut jouer d'adresse. Et d'une âme réduite, corriger le hasard par la bonne course. C'est-à-dire dormir, manger toujours bien, je suis persuadé que vous n'en avez rien. Vous pensez vous moquer, mais ça ne vaut rien feindre. Dans le monde, je vois 100 choses plus à craindre, et dont je me ferais un bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur. Pensez-vous qu'à choisir de deux choses prescrites, je n'aimasse pas mieux être ce que vous dites, que de me voir mari de ces femmes de bien dont la mauvaise humeur fait un procès sur rien? Ces dragons de vertu, ces honnêtes diablesses se retranchant toujours sur leurs sages promesses, qui pour un petit tort qu'elles ne nous font pas, prennent droit de traiter les gens de haut en bas, et veulent sur le pied de nous être fidèles, que nous soyons tenus à tout endurer d'elles, encore un coup qu'on perd. Apprenez qu'en effet le cocuage n'est que ce que l'on le fait, qu'on peut le souhaiter pour de certaines causes, et qu'il a ses plaisirs comme les autres choses. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter, quant à moi, c'est pas la mienne d'en tâter, plutôt que subir une telle aventure. Mon Dieu! Ne jurez point de peur d'être parjure. Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflus et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu. Vous voilà bien malade. 1000 gens le sont bien sans vous faire bavade. Qui de mine, de cœur, de bien, de maison ne fait avec vous nulle comparaison. Et moi, j'en voudrais avec que faire aucune. Mais c'est cette ultra-trime de mon importune. Brisons-la, s'il vous plaît. Vous êtes sans clou. Nous en serons la cause. Adieu. Souvenez-vous. Quoique sur ce sujet, votre honneur vous inspire, que c'est être à demi ce que l'on vient de dire, que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas. Bah, je le jure encore, et je vais de ce pas, contre cet accident, trouver un bon remède. Ah, mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. Je suis édifié de votre affection, mais il faut qu'elle éclate en cette occasion, et... si vous m'y servez selon ma confiance, vous êtes assuré de votre récompense. L'homme que vous savez, n'en faites aucun bruit, veut, comme je l'ai su, m'attraper cette nuit. Dans la chambre d'Agnès, entrer par escalade. Mais il lui faut nous trois dresser une embuscade. Je veux que chacun vous preniez un bon bâton. Et quand il sera près du dernier échelon, car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre, que tous deux à l'envi, vous me chargiez ce traître. Mais de nerf, dans son dos, on garde le souvenir.
et qu'il lui puisse apprendre à ne plus revenir. Sans me nommer pourtant en aucune manière, ni faire semblant que je serai derrière. Oh, aurez-vous bien le cœur de soutenir mon courroux? S'il ne tient qu'à frapper, monsieur, tout est à nous. Vous verrez quand je bats si j'y vais de ma mort. La mienne, quoique aux yeux n'est pas si forte, n'en quitte pas sa part à le bien étrier. Rentrez. Surtout, gardez de babiller. Hein. Voici pour le prochain une leçon utile. Hein. Et si tous les maris qui sont dans cette ville de leurs femmes traitaient ainsi le galant, le nombre de cocus ne serait pas si grand. L'assommer. Et c'était sur le dos et non pas sur la tête que j'avais commandé qu'on fît faire la tempête. Ensuite, quel temps me jette ici le soir et que puis-je résoudre à voir cet homme mort rentrer dans la maison et surtout garder de rien dire de cet ordre innocent que j'ai pu vous prescrire. Le jour s'en va paraître, et je veux consulter comment dans ce malheur je me dois comporter. Hélas, que deviendrai-je? Et que dira le père lorsqu'inopinément il saura cette affaire? Il faut que j'aille un peu reconnaître qui c'est. Eût-on jamais prévu? Vous, seigneur Arnold? Oui, mais vous! C'est Horace. Je m'en allais chez vous, vous priez d'une grâce, vous sortez bien matin. Quelle confusion! Est-ce un enchantement? Oh, c'est une illusion! J'étais, à dire vrai, dans une grande peine. Et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'à point nommé, je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi. Et même beaucoup plus que je n'eusse osé dire. Et par un incident qui devait tout détruire. Je ne sais par où l'on a pu soupçonner cette assignation qu'on m'avait su donner, mais étant sur le point d'atteindre la fenêtre, j'ai contre mon espoir vu quelques gens paraître, qui sur moi, brusquement, levant chacun le bras, m'ont fait manquer le pied et tomber jusqu'en bas. Et ma chute, aux dépens de quelques meurtrissures, de 20 coups de bâton m'a sauvé l'aventure. Ces gens-là, dont était, je pense, mon jaloux,
ont imputé ma chute à l'effort de leur coup. Et comme la douleur, un assez long espace, m'a fait sans remuer demeurer sur la place, ils ont cru tout de bon qu'ils m'avaient assommé. L'un l'autre s'en est aussitôt alarmé, et sans lumière aucune, en querellant le sort, sont venus doucement tâter si j'étais mort. Je vous laisse à penser si dans la nuit obscure, j'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effroi, et comme je songeais à me retirer moi, de cette feinte mort, la jeune Agnès émue, avec empressement et de vers moi venu, car les discours qu'entre ces gens avaient tenus, jusqu'à son oreille étaient d'abord venus, et pendant tout ce temps, étant moins observée, du logis aisément elle s'était sauvée. Mais me trouvant sans mal, elle a fait éclater un transport difficile à bien représenter. Que vous dirais-je enfin ? Cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi, et de tout son destin, s'est commise à ma foi. Considérée un peu par ce trait d'innocence, où l'expose d'un fou la haute impertinence, et quel fâcheux péril elle pourrait courir si j'étais maintenant homme à la moins chérie. Mais d'un trop pur amour, mon âme est embrasée. J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée. Je lui vois des appâts dignes d'un autre sort, et rien ne m'en saurait séparer que la mort. Je prévois là-dessus l'emportement d'un père. Mais nous prendrons le temps d'apaiser sa colère. À des charmes si doux, je me laisse emporter. Et dans la vie, enfin, il se faut contenter. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle. Que dans votre maison, en faveur de mes feux, vous lui donniez retraite au moins un jour ou deux. Outre qu'aux yeux du monde, il faut que ça fuite. Et qu'on en pourra faire une éclatée. Vous savez qu'une fille aussi de sa façon donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, que j'ai fait de mes feux entières confidence, c'est à vous seul aussi comme ami généreux que je puis confier ce dépôt amoureux. Je suis tout prêt à vous rendre service. Vous voulez bien me rendre ainsi charmante au prix. Très volontiers vous dis-je, et je me sens ravir de cette occasion que j'ai de vous servir. Je rends grâce au ciel de ce qui me l'envoie. Je n'ai jamais rien fait avec si grande joie. Que je suis redevable de toutes vos bontés. J'avais de votre part craint des difficultés, mais vous êtes du monde, et dans votre sagesse, vous savez excuser les feux de la jeunesse. Un de mes gens la garde au coin de ce détour. Mais comment ferons-nous? Car il fait un peu jour. Si je la prends ici, l'on me verra peut-être. Et s'il faut que chez moi vous veniez apparaître, des valets causeront. Pour jouer au plus sûr, il faut me l'amener dans un lieu plus obscur. C'est allé, là, commode, et je vais là qu'un. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main, et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Oh, fortune! Ce trait d'aventure propice répare tous les maux que m'a fait ton caprice. Ne soyez point en peine où je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous le gérez avec moi, ce serait tout détruire. Venez, ne craignez rien, et laissez-vous conduire. Mais pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressée par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Hélas, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi? Vous pourriez douter de mon amour extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah, l'on me tire trop! C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, qu'en ces lieux nous soyons vus tous deux. Et le parfait ami de qui la main vous presse suit le zèle prudent qui pour nous l'intéresse. Mais suivre un inconnu? N'appréhendez rien, entre de telles mains vous ne serez que bien. Je me trouverai mieux entre celles d'Horace et j'aurai... Attendez! Le jour me chasse. Mais quand vous verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusqu'à ce moment. Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence et je puis maintenant dormir en assurance. Pas là que je vous l'enlève. Et votre gîte ailleurs est par moi préparé. Je prétends lieu sûr mettre votre personne. Maître des signaux! À mon visage friponne! Dans cette occasion, rends vos sens effrayés! Et ces quatre contre-coeurs qu'ici
vous me voyez. Je trouve dans ces projets l'amour qui vous possède n'a plus point des yeux. Le galant à votre aide, il est trop éloigné pour vous donner secours. Si jeune encore, vous jouez de ces tours. Votre simplicité qui semble sans pareil demande si l'on fait les enfants par l'oreille. Et vous savez donner des rendez-vous la nuit. Et pour suivre un galant, vous évader sans bruit. Tu es Dieu! Comme avec lui, votre langue cajole, faut qu'on vous ait mis à quelque bonne école. Qui diantre vous en attend à ta prix? Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits? Et ce galant, la nuit, vous a donc enhardi? Ah, coquine! En venir à cette perfidie! Malgré tous mes bienfaits, former un tel dessein, petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein, et qui, dès qu'il se sent par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Mais pourquoi me criez-vous? Ah, j'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui. Mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela, selon mon goût, qu'à vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible et tous vos discours en font une image terrible. Mais hélas, il le fait, lui, si rempli de plaisir. Que de se marier, il donne des désirs. Ah, c'est que vous l'aimez, hein, traîtresse. Oui, je l'aime. Vous avez le front de me le dire, oui. Mais pourquoi, si les vrais, ne le dirais-je pas? Et le devez-vous aimer, impertinente? Et là, c'est ce que j'en puis, mais lui seul en est la cause, et je n'y songeais pas lorsque ce fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Et le moyen de chasser ce qui fait du plaisir? Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi? Point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Ah oui, ah, il est vrai que j'ai sujet d'en être réjoui. Alors, vous ne m'aimez pas, ce comte? Vous? Oui. Hélas, non. Non? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne m'aimez pas, madame l'impertinente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché, que je pense. Je me suis efforcé de toute ma puissance. Et les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment? Il n'en sait donc là-dessus plus que vous. Car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez comment raisonne et répond la vilaine. Mais c'est une précieuse, en dirait-elle plus. Ah! Je l'ai mal connue. Ou ma foi, là-dessus, une sotte en sait plus que le plus habile homme. Puisqu'en raisonnement, votre esprit se consomme. La belle raisonneuse, est-ce qu'ainsi longtemps je vous aurai pour lui nourri à mes dépens? Non, il vous rendra tout jusqu'au dernier double. Ah, là, certains mots, mon dépit redouble. Me rendra-t-il, coquine, avec tout son pouvoir, toutes les obligations que vous pouvez avoir? Vous n'en avez pas d'aussi grande compense. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment. Et m'avait fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte et qu'enfin dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même, j'en ai honte et dans l'âge où je suis, je ne peux plus passer pour sotte, si je puis. Ah, vous fuyez l'ignorance et voulez, quoi qu'il coûte, apprendre du blondin quelque chose. Mais sans doute, c'est de lui que je sais ce que je puis savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Mais c'est ce qui me tient qu'avec une gourmade, ma main de ce discours ne venge la bravade. Oh, j'en rage, je vois sa piquante froideur et quelques coups de poing satisferaient mon cœur de voir moi. Hélas, vous le pouvez, si cela peut vous plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère et produit un retour de tendresse de cœur qui, de son action,
m'efface la noirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour ses traîtresses, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection. Ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant, leur âme fragile. Il n'y a rien de plus faible, de plus imbécile, de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Aïe. Faisons la paix, mais... va, petite traîtresse. Je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi et me voyant si bon en revanche. Aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Oh, mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Contemple ma personne et quitte ce morveux et l'amour. Quitte l'âme. C'est quelque mauvais sort qu'il faut les jeter sur toi et tu seras 100 fois plus heureux avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu le seras, tu le verras. Je te proteste sans cesse. Nuit et jour, je te caresserai, je te boucherai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique point, ça c'est tout dire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Oh. Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne ingrate? Veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache le côté de chevet? Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu veux. Je suis tout près cruel à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec deux mots, en ferait plus que vous. Oh. 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 Ouais, c'est trop me braver. Trop pousser mon cou, je suis vraiment dessein bête, trop indocile, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes voeux, mettez à bout. Mais un cul de couvent, vengeant de tort. Monsieur, je ne sais ce que c'est, mais il me semble qu'Agnès et le corps mort s'en sont allés en... Ah voilà, dans ma chambre, allez vous la nicher. C'est pas là qu'il viendra la chercher, et c'est seulement pour une demi-heure. Je vais pour lui donner une demeure, trouver une voiture. Enfermez-vous des mieux et surtout ne quittez pas les yeux. Peut-être que son âme étant dépisée pourra de cet amour être désabusée. Ah, je viens vous trouver, accablé de douleur. Le ciel, Seigneur Arnolf, a conclu mon malheur. Et par un trait fatal d'une injustice extrême, on me veut arracher de la beauté que j'aime. Pour venir ici, mon père a pris le frais. J'ai trouvé qu'il m'était pied à terre ici près. Et la cause en un mot d'une telle venue, qui, comme je vous disais, ne m'était pas connue, c'est qu'il m'a margué. Sans m'en récrire rien. Et qu'il vient en ces lieux célébrer ce lien. Jugez, en prenant part à mon inquiétude, s'il pouvait m'arriver un contretemps plus rude. C'est Henrik, dont hier je m'informais à vous, cause tout le malheur dont je ressens les coups.
Il vient avec mon père achever ma ruine. Et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. J'ai dès leur premier mot pensé m'évanouir. Et sans vouloir plus longtemps les ouïr, mon père, ayant parlé de vous rendre visite, l'esprit plein de frayeur, je l'ai devancé vite. De grâce, gardez-vous de lui rien découvrir de mon engagement qui le pourrait aigrir. Et sachez comment vous, il prend grande créance de le dissuader de cette autre alliance. Je n'y manquerai pas. Conseillez-lui de différer un peu et rendez en ami ce service à mon feu. Fort bien. C'est en vous que j'espère. Et je vous tiens mon véritable père. Dites-lui qu'à mon âge... Mais je les vois venir. Écoutez les raisons que je puis vous fournir. Aussitôt qu'à mes yeux, je vous ai vu paraître, quand on ne m'eût rien dit, j'aurais su vous connaître. Je vous vois tous les traits de votre aimable sœur, dont l'hymen autrefois m'avait fait possesseur. Et je serais heureux si la parque cruelle m'eût laissé ramener cette épouse fidèle pour jouir avec moi des sensibles douceurs de revoir tous les siens après nos longs malheurs. Mais, puisque du destin la fatale puissance nous prive pour jamais de sa chère présence, tâchons de nous résoudre et de nous contenter du seul fruit amoureux qu'il m'en ait pu rester. Il vous touche de près. Et sans votre suffrage, j'aurais tort de vouloir disposer de ce gage. Le choix du fils d'Oronte est glorieux de soi, mais il faut que ce choix vous plaise, comme à moi. C'est de mon opinion avoir mauvaise estime que douter si j'approuve un choix si légitime. Oui, je vais vous servir de la bonne façon. Gardez encore un coup. N'ayez aucun soupçon. Que cette embrassade est pleine de tendresse. Que je sens à vous voir une grande allégresse. Je suis ici venu. Je sens m'en faire récit. Je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit. Oui, tant mieux. Votre fils à cet hymen résiste et son cœur prévenu n'y voit rien que de triste. Il m'a même prié de vous en détourner. Mais moi, tout le conseil que je vous puis donner, c'est de ne pas souffrir que ce ne se diffère. Et de faire valoir l'autorité de père. Il faut avec vigueur ranger les jeunes gens, et nous faisons contre eux à leur être indulgents. Si son cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence, mon frère, que je crois sera de mon avis. Quoi ? Se laissera-t-il gouverner par son fils ? Est-ce que vous voulez qu'un père ait la mollesse de ne pas savoir faire ? Obéir à la jeunesse, il ferait beau voir vraiment qu'on le vit aujourd'hui, prendre loi de qui doit la recevoir de lui. Non, c'est mon intime, sa gloire est la mienne. Sa parole est donnée, il faut qu'il la maintienne. Hein ? Qu'il fasse voir ici de fermes sentiments et force de son fils tous les attachements. Fais parler comme il faut. Et dans cette alliance, c'est moi qui vous réponds de son obéissance. Je suis surpris pour moi du grand empressement que vous nous faites voir pour cet engagement. Et ne puis deviner quel motif vous inspire. Je sais ce que je fais et dis ce qu'il faut dire. Oui, oui, seigneur Arnolphe. Il est... Ce nom, les gris. C'est monsieur de la souche, on vous l'a déjà dit. Il importe. Contente ? Oui, c'est là le mystère. Et vous pouvez juger de ce que je devais faire. Quel trouble ! Si vous êtes auprès, nous aurons de la peine à retenir Agnès. Elle veut à tout vous échapper et peut-être qu'elle se pourrait bien jeter par la fenêtre. Laissez-moi venir ! Aussi bien de ce pas fait comme un jeune. Non mais ne vous en fâchez pas. Un bonheur continu rendrait l'homme superbe et chacun son tour, comme dit le proverbe. Quels mots peuvent au ciel égaler mes ennuis ? Et s'est-on vu jamais dans l'abîme où je suis ? Pressez le jour de la cérémonie. J'y prends part et déjà moi-même je m'en prie. C'est bien notre dessein. Ah, venez, belle, venez, qu'on ne saurait tenir. Et qui vous mutilez, voici votre galant, puis qui pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. L'événement trompe un peu vos souhaits, mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits. Me laissez-vous en race emmener de la sorte ? Je ne sais où j'en suis tant ma douleur est forte. Allons, poseuse, allons, Dites-nous ce que c'est que ce mystère-ci ! Nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre. Avec plus de loisirs, je pourrais vous l'apprendre. Jusqu'au revoir. Où donc prétendez-vous aller ? Vous ne nous parlez point comme il nous faut parler. Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, d'achever l'hyménée. Oui. Mais pour le conclure... Si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit ? La fille qu'autrefois de l'aimable Angélique, sous des liens secrets, eut le seigneur Henrique. Sur quoi votre discours était-il donc fondé ?
Je m'étonnais aussi de voir son procédé. Quoi ? D'un immense secret, ma sœur est une fille dont on cacha le sort à toute la famille et qui, sous de faux noms pour ne rien découvrir, par son époux au champ fut donné à nourrir. Et dans ce temps, le sort lui déclarant la guerre, l'obligea de sortir de sa natale terre et d'aller essuyer mille périls divers dans ces lieux séparés de nous par tant de mers. Où ses soins ont gagné ce que dans sa patrie avait pu lui ravir l'imposture et l'envie. Et de retour en France, il a cherché d'abord celle à qui de sa fille il confia le sort. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'en vos mains, à 4 ans, elle l'avait remise. Et qu'il l'avait fait sur votre charité par un accablement d'extrême pauvreté. Et lui, plein de transport et l'allégresse en l'âme, a fait jusqu'en ces lieux conduire cette femme. Et vous allez enfin la voir venir ici pour rendre aux yeux de tous ce mystère éclairci. Je devine à peu près quel est votre supplice, mais le sort en cela nous est propice. Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne vous point marier en est le vrai moyen. D'où vient qu'il s'enfuit sans rien dire? Ah, mon père! Vous serez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard en ces lieux avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais, par les doux nœuds d'une ardeur mutuelle, engagé de parole avec cette belle. Et c'est elle en un mot que vous venez trouver, et pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue, et mon âme depuis n'a cessé d'être émue. Oh, ma fille, je cède à des transports si doux. J'en ferai de bon cœur, mon frère, autant que vous, messieurs, lieux, cela ne s'accommode guère. Allons dans la maison débrouiller ces mystères, payer à notre ami ses soins officieux et rendre grâce au ciel qui fait tout pour le mieux.